telema telema una ne bona tsina na yo e rohindo telema una ne bona boka na yo rohindo telema telema telema. 24, merci na fidélité et confiance Bopesa na Congo Boost Télévision. Merci pour vos okoba ko renouveler biso confiance na manaka na bino ya pona Congo mikona mikolo toza et longo batata ba mama bande ko bilenge et parpillé à travers le monde ba Congo malignon sombote na bino basango pona mokolo ya lelo lobi moleki tata mokambi ekolo kuna na palais présidentiel na mongaliema Félix Antoine Tshisekedi a sololaki topé a sangisaki bongo likita pona mbala ya mibale na maematali ba force ya haut commandement militaire ya mboka na biso likita yango e sangisaki e bongo VPM ya défense ba haut gradé ya FRDC pe directeur de cabinet ya tata mokambi ekolo yemoko a na occasion ana profita ki pona kopesa ba orientation claire pona maimazali ko sale makuna na est ya République démocratique du Congo tension RDC Rwanda ministre des affaires étrangères à démentir bongo rumeur et tambola kina maematali négociation directe entre RDC pe Rwanda kuna na Zanzibar a éclaira ki bongo opinion kotali saka ke ezala ki réunion ministérielle et non négociation entre la RDC et le Rwanda. Le moleki azala ki na briefing libosu ya bapandisa ngotoro fongo yango la mozindo maematali diplomatie yambo kanabiso na o etali situ ya est ya République démocratique du Congo nini to ozela penza et cette nouvelle po na kokota na manaka ya lelo justice militaire a se déclaré incompétente pour na kojige bongo opposant pendeko sénateur Salomon Kalonda. Deux questions à l'ordre du jour. C'est vrai que nous allons parler de PES. Qu'est-ce qui se passe après sortie médiatique? Il y a Mwana Mboka et Tenilongondo Kuna Bisika Sengi au congrès pour na ko réorganiser parti. Mais contente, mais ça, vraiment, Makasi, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au sein de la famille politique? Il y a Tata Mokambi Kolo. C'est vrai que deuxième mandat est bandit. Pourquoi tant de mécontentement Kuna alors que Bazali, première force pour politique au sein de l'Assemblée nationale et naba institution ni on soba vandi penza malamu pona kokamba mboka Congo. Question sur sécurité en mboka na biso dref humanitaire ezali kosala makuna na Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que ça va nous apporter quelque chose na maimatali situation et bana mboka Congo? Est-ce que déjà baction ya gouvernement soumis no ezali ko se faire ressentir? C'est vrai que ba kotina mosala kalamingite kotoko jige bango après 100 jours certainement, mais est-ce que vous sentez vent il y a changement to lobela kongo na bande kwaza na biso sur ces plateaux to za bongo na mona mboka fierté dinanga moko ya bayi idepes kasi azalaki azwaki moi makambo alors kaza ya pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé de ko fierté? Bonjour et bienvenue. Bonjour maman Naomi, merci beaucoup pour la invitation à Lelo, la Pessimbote, la co-débatteur, la Maïe, la téléspectateur, la Hollande, la Pessimbote, la inconscient, la UDPS, et Oyo, Zoé Baté, que UDPS, Ezali, la leadership systémique, Eza, leadership, la personnalisé, pour preuve, même Papa Tshisekedi, quand il était vivant, Bissot, tu vas avoir télémélaillé, puis Ayoki Bissot, pyramide, à renverser. Malheureusement, nous avons à la tête de ce grand parti un inconscient qui ne comprend absolument rien du tout, Augustin Kabuya, qui s'est permis de prendre les matinées politiques comme un cadre de règlement des comptes. À chaque fois qu'il y a un membre ou un Congolais qui dit quelque chose, pour Augustin Kabuya, la seule manière de répondre, c'est d'organiser des matinées politiques pour pouvoir attaquer personnellement et à part cela, envoyer des gens pour battre traquer vous parlez de votre chef du parti politique. Non. Oh, le loi Aza sénateur, Aza député national, ce sont quand même des accusations graves. Non, je dis que Kabuya n'est pas mon chef, il n'est pas le chef de l'UDPS. Kabuya est arrivé là où il est arrivé par des mécanismes que lui-même maîtrise bien.
si c'était, ça aurait été plutôt une façon de lui dépêcher de pouvoir responsabiliser quelqu'un, on responsabiliserait une personne intellectuelle, consciente, consciencieuse, qui peut, une personne qui peut, qui est consciencieuse, qui peut apporter des réformes à la tête de ce parti. Malheureusement, aujourd'hui, Augustin Kabuya règle le compte aux gens, comme vous le voyez, j'ai été tabassé, on m'a tout pris. Pourquoi? Seulement parce que j'ai dit sur une chaîne à travers une collègue de service à toi que Kabuya n'a pas l'intelligence des situations et que depuis qu'il est à la tête de l'UDPS, il n'y a jamais de réformes tendant à pouvoir redynamiser le parti. Donc, il est temps que les structures des partis s'interrogent pour pouvoir mettre à la tête de ces grands partis une autre personne qui peut aider les chefs de l'État. Comme les gens le disent, j'ai dit encore que Kabuya, ses sorties médiatiques sont très médiocres. En même temps que le chef de l'État se bat contre, dans les salons diplomatiques contre l'agression rwandaise, Kabuya s'est levé dans ce pays pour dire que la guerre n'est pas une attaque rwandaise, c'est une guerre des Congolais entre eux. D'une manière à donner les biscuits au Rwanda pour qu'ils disent que, mais voilà, il y a un au cadre de ce pays qui dit que la guerre est entre Congolais. Or, le chef se bat autrement. Entre moi et Kabuya, qui est-ce qui combat la vision du chef de l'État? C'est Kabuya. Donc, nous avons dit, comme l'UDPS est un parti au pouvoir, et que l'UDPS, nous avons la contradiction au sein de l'UDPS, c'est dans notre ADN. Quand les choses ne vont pas, on se contredit. Pour preuve, Tshisekedi a voté Fayulu à Genval, là où ils étaient partis. La base a dit à Tshisekedi, si tu ne renonces pas, tu démissionnes. Tshisekedi a renoncé. Aujourd'hui, il est président de la République. Ça veut dire qu'il faut écouter la base. Kabuya est en train de tuer les partis. Voilà, aujourd'hui, nous saluons la démarche de ce qui se met en place pour pouvoir interroger les structures du parti et chasser, mettre, lorsqu'on parle de la réforme, c'est de mettre Kabuya à côté parce qu'il a brillé par une incompétence notoire dans ses dires, dans ses faits, dans ses gestes. Il a un côté animal qui a fait écoutez, s'il vous plaît, son côté animal, c'est lui, son côté animal a fait que tous les membres de l'UDPS le détestent. On l'a détesté parce qu'il a un côté animal. Il ne reçoit jamais les gens. Il croit qu'il est super homme. Donc, Kabuya est le seul homme de l'UDPS qui est compétent dans ce pays. Les autres n'ont pas de vie. Quand tu vas voir Kabuya dans ce... Moi, je rappelle à Jacquemin Chabani, qui est aujourd'hui VPM de l'Intérieur, Yves Bonkoulou et Ben Beleshaï. J'ai été à l'hôtel Memling à 20h. Kabuya revenait d'une mission de service il y a une année passée. Je l'ai croisé et je lui ai dit, monsieur, le parti est en train de mourir parce qu'il n'y a pas de bons communicateurs. Pendant que nous sommes une crème intellectuelle de l'UDPS, on peut dénicher les gens, on peut organiser l'expression de l'UDPS pour défendre l'image de la République. Il a nommé un porte-parole qui n'a jamais tenu parole jusqu'à ce jour. Je ne sais pas si sur ce plateau, vous connaissez un porte-parole de l'UDPS. Attendez, attendez. Mais quand vous parlez de Kabuya, c'est grâce à Kabuya Ndele lo UDPS est une majorité na kati ya jamais pas. Je pense qu'il faut que je donne une pédagogie à ces gens-là. Ce n'est pas grâce à Kabuya parce que Kabuya n'a rien fait à ce terme-là. Pour preuve, le chef de l'État lui a donné une mission de pouvoir déceler une majorité, concerter les députés. Quand il a fait cette mission-là, il est allé avec les documents auprès du chef. Le chef a rejeté parce que c'était un travail qui n'avait pas de science à l'intérieur. Il a échoué. Ça, c'est un. Et des deux, si vous parlez que Kabuya a créé une majorité, non, je m'inscris en faux. C'est l'intelligence de Félix Tshisekedi qui a fait que tous ces députés-là se plient à sa politique et qui s'arrangent derrière la vision de la République. Souvenez-vous que le chef de l'État a appelé tous les députés pour leur dire « Voilà un aspect des choses, c'est l'intérêt de la survie de la République et vos intérêts mesquins. Comment est-ce que vous allez choisir entre vos intérêts et l'intérêt de la République? Et si vous, choisissez vos intérêts, je vais dissoudre le Parlement. Vous le savez tous. Et si je dissous le Parlement, où est-ce que vous allez être? Et tout le monde s'est rangé derrière la vision de la République. Ce n'est pas la vision de Kabuya. Ce ne sont pas les efforts de Kabuya. Pour preuve, pour tous les généraux qui sont passés dans la presse, la médiocrité, c'est Augustin Kabuya. C'est un médiocre. D'où vous vous rangez derrière ceux qui veulent le départ du CG Kabuya, non. Alors que Bajo Senga, congrès extraordinaire, il était au Salema récemment. Je ne m'arrange pas derrière ceux qui veulent le départ d'Augustin Kabuya. Je m'arrange derrière l'idée de sauver l'UDPS et l'image du Congo. Souvenez-vous qu'avant que Teni Longondo et tout le monde s'élève pour crier à la départ de Kabuya, moi sur ton plateau, tu as des images où j'ai proposé, il y a quelques mois passés, j'ai dit que Kabuya était une médiocrité, il fallait qu'il quitte l'UDPS. Je l'ai dit, les Teni et les autres ont emboîté
les pas de fierté. Donc ça veut dire que nous sommes dans la logique de pouvoir changer l'image de l'UDPS. L'UDPS n'est pas un parti de gourous, de personnes qui se disent qu'ils sont inamovibles. Vous savez qu'il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Les postes ministériels ici se sont vendus par Kabuya. Oh là là, oui. Les gens viennent donner... S'il te plaît. Les postes ministériels se sont vendus. Kabuya a demandé de 300 000, 400 000 pour vendre des postes ministériels. Les fédéraux de l'UDPS. Et c'est la dénonciation. N'ont pas de travail. Tandis que Bumba fait son gouvernement, il met dans ses ministères que les membres du PPRD, la plupart du PPRD. Kabuya, c'est des choses que Chadari a fait dans ce pays. Il a donné du travail aux combattants du PPRD. Et aujourd'hui, ils sont à l'OGFREM, ils sont partout. Nos combattants, nous, quand ils vont quelque part pour demander quelque chose, Kabuya va appeler son ministre pour dire « Bengana bango, wana banani wana, balunga place wana nangana tindi bangote. » C'est comme si le noyau et la survie de ces gens-là dépend de Kabuya. Tout le monde qui vous a frustré. Non. Oui, c'est vrai. On ne doit pas fuir la frustration. Nous le sommes par la seule preuve que nous devons sauver l'UDPS. Notre dénominateur commun est Kabuya, c'est l'UDPS. L'alma mater, c'est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Mwanamboka. To Yamba Ndeko Jean-Pierre Ngalula, maître avocat, Pe Azali Moko Aisanga, FCC, Nangambo opposition, Mwanamboka Mbote, Pe Boyebola. Mbote na yo, Maman Naomi, Mbote Longona Baimboka, Mbote Meali Passi. Ote ma pasi kota la ndeko nanga yelenge lokola e. Oki ndeka ko tondo la lopoto. Oki ndeka ako punza lopoto na monoko ya yi. Kabuya akamati amoni moto ko boma ye. Metang basali ye boye. Mama. Eloko mokote la kisi. Na lobaka na yo etumba nanga yali etumba na yelenge. Te tika nanga ikoloba. Na lobaka no mbala na mbala ete etumba nanga za ketumba na yelenge. Elenge nion sosika kozala azala na opposition azala na majorité azala wapi soki elenge wana yi malamo etumbananga yi malamo soki elenge wana komi mabenga na kosepela te mwana Kabuya alibo lokola ye okoye bisangai est-ce que Kabuya tango parti wana zoko bunda Kabuya zalaka mais écoutez est-ce que tu peux me dire ce que Kabuya zalaka na tango ba moleka bazalaka est-ce que koye bisangai tango batata ou mikolo baleka ba mboakene tango bazalaka ya zalaka nani na parti Kabuya rêvait d'être homme fort dans sa vie au lieu d'être un homme oya kwa ko sunga mboka aya lengi ya ko sale la école Kabuya lui rêvait d'être un homme fort gangster en politique. Oh là là, le sujet de l'émission n'est pas non attendez madame. Et ça lui passe tellement de connaître Nazali. Le bon comme quoi ça là. Babo te le nion so. Ne connaît pas taille au moko. Ça c'est quoi ça? Est-ce qu'elles ont bundé là et tout mais maman hein? Y a tata hein? Ah vous bundé tout mais écolote. Tu sais une vérité? Nathan on a Kabila va communicateur bazakozo. On a au foot à mambongo moké $2,500 chaque fin du mois. Tu les connais? Bah papi t'as mal aux omoules. Le quoi bon bah qui moi l'écolo. Donc ouais au sous cadre qu'on soit $2,500. Bazalaka n'a pas passé pour y voyager à tout moment. Accès partout. Il vivait mieux. Oh Nino, spectacle Nino. La carte politique, tout comme mon bloco. Bon, ceux qui vont faire ça, yé, mon bango, bon, on gagne, maman. Bah, on s'en a nini. Chef de l'État, ici, au Rolanda Bisso, t'as la moto, au Longola, yé, yo. Nasi, dans l'oban, a yoke, mon okoya Kabuya, et Zagana Biloko mi bali. Diarrhée verbale, scandale, confusion. Biloko mi sato mi mangana monokone yangwa. Acha déjà chef de l'État en confusion. Mais d'une part, bande copé, non gende konanga comme une fierté. Ça la fierté, longwa ne loko wa. Ouais, IDPS. A longwa na IDPS. A ko le bele kolo. Et loko yo na ebite, ba inconscient, et outi na monokone yangwa. Il dépense ça na ben inconscient moko balegi maboma ba sen pepe na ya o ya telema non. Maman yo kaka cité yo relève ça yo yo passe yo relève ça yo ba jereti jereti mende ko lobe abenga ki kabuya inconscient o kwite na senga ki alongo ah maman tena longo li ango longo la pete alors il a un côté animal il a un inconscient pour na nini c'est que porte parole il y a des pèses qui n'a jamais tenu parole a appelé les journalistes qui m'ont reçu pour les menacer.
c'est un indice de culpabilité. Dire aux journalistes que Bozaro Yamba, fierté à finir à Ponanini, à l'Obakabou, à Ponanini, a menacé Stéphane Mbalamouange, a menacé Olette Gimoud. Yé, porte-parole, il y a eu des personnes. Donc, c'est Kabouya qui me fait ça. Rana Kosugisa, Kolobaete, Namokuse, Kolobaete. Tant que Kolobana Bango, Ndengewana, Tika Kotele Melaningaï, parce que, et Tumbana IDP, c'est là que Tumbana Ekolo. Fallait tout bunda pour Ekolo. Bako Wela Nini, Bako Wela Bako se retrouver te. Oh, mais est-ce que vous vérifiez que le peuple a se retrouvé? Parce que le peuple a se retrouvé te. Mais le peuple a se retrouvé te. Bon, tu sais que d'ici quand on a pouvoir, maintenant il va retrouver le pouvoir. Le peuple a se retrouvé te, il n'est pas se retrouver te, quand il y a des ordres, il y a des autres. Et pas il n'y a des colonnes, il y a des ordres, il y a des autres. Que fait tu sais que au pouvoir? Ce qui a l'ingé qu'on a la responsabilité, il y a été. Ndeko soki ba sungiye ako sunga pengai. Oyi ba to kabila yo kana ibisa yo komo. Ba tatana soko kuteni na ye na pompe essence boko cha carburant bo achelo carburant. Que tu sois de l'opposition ou pas. Biso zai ko kutana na bango atana mwanze la bo soka mona ah bon camarade vient. Toi tu parles trop à la télé, prenez quand même ça. O teli pe boye. Ah $500. O chepe na poche. Bato yo bazami tema ma be moko ko sakana na ngote bato. Baka bakate, bazo utiliser ba na bato. Bazo kabate, mboke kutambo la mabe, mouyibi na detournement, bisengo na bisengo, libido li kolona libido. Kabouya doit partir de ce parti. À la place de donner du travail aux fédéraux de l'UDPS. A nommé ba Makangu, baza ba bourgmestre, a nommé ba Tuipache de gauche droite. Nous allons sauver l'UDPS. Oui, les combattants de l'UDPS n'ont pas de travail. Nous allons vous accompagner, mon cher. Il y a des personnes qui ne sont pas de l'UDPS, mais... Après, si Bango ba bourgmestre, ba Makangu, ba Tuepayi, oh tout la ça, la. Bango moutou ba vu misala, si, les combattants, si, c'est meurt. Et tant que Batoua n'a pas revendiqué droit na Bango, bolomwa wa. Monsieur Fierté, Monsieur Fierté, aidez-moi à faire mon travail. Allez-y, madame. Pas, on a tribunal, Kokanga Mouibi, Likangu, tout ça. Donc, calmez-vous. Si j'ai Monsieur Zaki Kabouyate, je rappelle, tout le monde est la crise na l'UDPS. Malamboka Brian Kalala, Maloba Omboka Wayo, Ozamoko, il y a parti, il y a Ndeko. Parti CDR, parti cher, il y a Malamboka Jean-Lucien Boussa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Naomi, bonjour Nabako débatteur Nangai, Namokolo Lelo, Omoni. Et ça l'inga y passe, comme on a élengé, maele ma kasiboye, ou azali même nan ivoir aux ala ministre, ou yoke, IDPS ou yikope ça. Vous savez, les problèmes ezali teke et ozo lobe la mambou, y a IDPS aujourd'hui. Vous savez, IDPS ezali parti au pouvoir. Vous voyez, IDPS ça fait partie d'un bateur, ou ezo ko animé l'union sacrée aujourd'hui. Ce qui est l'or au mot ezo tamboulaté nan l'UDPS, même nous les partenaires, on doit dire de l'UDPS. Et ça passe parce que moi, un jeune comme ça, à l'obélaka, fierité d'inanga. Je suis un peu plus de temps, je suis fierité d'inanga. Et ça passe parce que écoutez, trouble na kati ya UDPS et pas même trouble au sein de l'union sacrée. Mais, pourquoi je dis ça, madame Naomi? Kabouya se comporte le rôle la gangsta, n'est-ce pas, Jean-Pierre, Ilunga Outi Kolobawa. C'est-à-dire que, azo luka ko réussir que bon ma UDPS, a tigna luka bon ma UDPS, te aligné les sous-sous, a menoncé même ma partenaire, au bazo accompagné, vision à Mokondiamboka, Félix Antoine Tshisekedi, abandako, traqué bango. Madame Naomi, on aurait appris. Kabouya sous-traité les communicateurs pour déformer les propos que Jean-Lucien Boussa a tenus au niveau de l'UNIKIN. C'était des propos purement scientifiques. Tellement que Kabouya Zalaki n'a pas tournaillé, on aurait appris au Azana pour ça, basé à la niveau à portefeuille, Kabouya combat Jean-Lucien Boussa. Est-ce que ça, c'est pour accompagner la vision du président de la République? Écoutez, Madame Naomi. Nous sommes partenaires à un grand parti, où Ezali parti à Antoine et à parti à Etienne Tshisekedi. Wamulumba, Oazali, incarnation, il y a unité nationale. Mais Kabouya a craché sur
vision politique Wamulumba. C'est-à-dire koluka ko sangisa bana nyonso bazo accompagner vision mokonzi mboka. Kabuya sous-traite les communicateurs bakoka ko tirer na Jean Lucien Boussa pour que aluka ko accompagner ba DG na ye o aza bango na posa ba DG bazo na posa ba pie mbongo mboka ba DG o bazo koka bazo banga mbongo mboka te parce qu'il a compris que encore, écoutez madame Naomi, écoutez Kabuya exagère, écoutez Kabuya exagère dans ces pays. C'est-à-dire quelqu'un va aller là au pèse à maloba. Oui, c'est là. De quoi Jean Lucien Boussa, et Zalaki matiné scientifique. Scientifique, n'a pas de caméra, Zalaki, matata pour nos pères, Zalaki. Bamoukoko Samba. Grand éminent professeur, Zalaki sur place. Alobi, Mbo Cannabis, c'est un problème, il y a leadership. Selon Batou et Bélé, il y a pouvoir, Monique, ils ont craché sur Tata Mokambiko. Non, écoutez, madame. Madame Naomi, nous sommes tous scientifiques. Vous savez, beauté à Mboka, où la force d'un homme politique, ils ont son côté scientifique. Vous voyez, à un moment, il faut que les scientifiques réunissent, bah, réfléchissent sur la situation d'un pays. Dans le pays, nous sommes bien dans le think tank. Normalement, aux États-Unis. Mais si nous sommes dans un pays où les gens refusent même que les gens réfléchissent sur le plan scientifique, ça pose un problème sérieux, madame. Et surtout, excusez, fierté d'Inanga. Et surtout que c'était une activité purement scientifique, bah, plutôt réfléchir sur. Vous savez, des réflexions que les scientifiques, les professeurs, bah, bimisaka, ce sont des réflexions où ils orientent quand même la politique publique d'un État. Parce que les politiques, bah, soit qu'à réflexion, il y a bah, scientifique, n'est-ce pas, la rabaron, qui non, bah, redresser politique publique d'un État. Mais vous commencez à transformer. Vous voyez, bon, ma science. Ça dit, quand vous avez ça, bon, ma même unique, nouana. Tous les assurés, bah, professeur, bah, réfléchir, t'es. Le scientifique, tout réfléchir, t'es parce que, Kabuya, un gangster, il veut prendre tout en otage, à bloquer le président de la République. Bato va soutenir Mokonzi Mboka. Jean-Lucien Boussa fait un grand travail pour le président de la République. Quel est le rapport Jean-Lucien Boussa a bâti campagne. Quel est le rapport entre le discours et Jean-Lucien Boussa? C'est ça maintenant le problème. De fait, oui. C'est ça que je dis. Honoré a pris. Kabuya ne veut pas de Jean-Lucien Boussa. C'est la tête de Jean-Lucien Boussa. Ezo quoi énervé Augustin Kabuya. Il y a moi tous. C'est ça on aurait appris. Ça dit Batoubaye, c'est bien ça on aurait appris. C'est ça qu'on dit que non, on aurait appris. C'est Kabuya qui est derrière ça. Il est en train de manigancer des personnes pour manquer du respect à un ministre en fonction qui soutient la vision du président de la République. Et vous allez voir de Jean-Baptiste Bango, traiter Jean-Lucien Boussa d'un impoli, un partenaire. C'est toujours Kabuya qui frustre l'Union Sacrée aujourd'hui. Ce qui au moins va problème, c'est Zaïna Kati à l'Union Sacrée aujourd'hui. Avec tel parti. Ce qu'on l'a dit là-haut, c'est Kabuya qui est au centre de ça. Kabuya est censé être la rassembleur. Parce qu'on est partenaire pour conserver le pouvoir politique à Mokonzi Mboka. Il faut Kabuya développer capacité à la rassembleur. Et non quelqu'un qui va commencer à créer des troubles au sein de l'Union Sacrée. Nous avons eu à soutenir le président de la République. On va pas laisser quelqu'un azana n'intérêt à fragiliser mon Konzambuka biso ba congolais autres soutenir visant mon konitokoti kabatuana té l'union sacrée est censée refondre ensemble l'union sacrée est censée de travailler politique pour qu'on répondre na vie à population bazo de la biso. On n'a pas besoin de vous tout ça. Vous avez suivi et belé na bato ya pouvoir qu'on signe le ministre Jean-Lucien Boussa démissionner. Baza manipuler bata pouvoir nini. Sauf qu'il y a une partie de l'UDPS. Oh, Kabaza animé par Augustin Kabuya. Yebisanga Batounini, première force politique qui est assemblée à son deuxième parti politique Bazawana. Bazo l'obéit au côté. On n'a pas senti l'AFDC a dit ça. On n'a pas senti l'UNC de Vital Kamerhe. Mais pourquoi seulement que Bato tout Bazo Bima pour que non, Basalir Jean-Lucien Boussa. Baza la même obédience avec Kabuya. C'est ça. C'est tout simplement complot pour la Roluka pour fragiliser l'Union Sacrée. Kabuya n'aime pas le président de la Merci République. Merci beaucoup. Madame Naomi, Kabuya l'Ingrana. Présidente, Kabuya a posé à l'Union Sacrée et à la terre. Ce qui est sacrée, les lois ont un problème, c'est grâce à Augustin Kabuya. Maman Naomi, Ndekwaloui Makamba Moutouya Makas, je me répète que je suis parmi les cadres de l'UDPS et je suis parmi la crème intellectuelle de ce parti politique. Je vais devoir aborder la question de Jean-Lucien Boussa scientifiquement pour expliquer aux Congolais et à ceux qui nous suivent.
demander aujourd'hui que Boussa démissionne. Les personnes qui disent que Boussa doit démissionner, ils ont autre chose à la place du cerveau. Ça, c'est un. Des deux, il y a trois questions qu'il faut se poser. La première question, Boussa était devant quel auditoire? Politique ou scientifique? Ils savent la réponse. Et la deuxième question, quelle a été la thématique de ce jour-là? Et la quatrième question, la troisième question pour finir, quelles ont été les motivations des personnes, les répondants de l'auditoire? Ça veut dire que Boussa a abordé trois aspects de choses. Il a fait la rétrospection, l'introspection et la projection. Vous savez vous-même que le Congo a un problème de leadership. Je le répète, moi aussi. Pourquoi? Depuis 1885 jusqu'à 1960, nous avons connu ce problème des troubles politiques. On n'a jamais eu des remises et reprises à part celui de Kabila et Tshisekedi. Une crise de leadership. Il y a eu une table ronde politique où nous avons réclamé l'indépendance politique que nous l'avions eue. La deuxième table ronde économique, les scientifiques congolais et les Congolais ne se sont jamais rendus. Voilà, jusqu'à ce jour, nous avons des problèmes économiques. Et Boussa, en tant qu'intellectuel, a fait... Son allocution était historique, interpellateur. Il a interpellé les scientifiques parce qu'ils savent, qu'il sait que la classe politique, ses étudiants, sont l'avenir de demain. Pour échapper aux problèmes qu'on a connus, qu'on a répétés, qu'on continue à subir des conséquences, il fallait que ces gens-là comprennent. Ça n'avait rien à voir avec le président de la République. Et aujourd'hui, Kabuya prend ses milices, il les met sur le front pour pouvoir saper sur Jean-Lucien Boussa. Moi, je vais dire comme ça. Le président de la République est un scientifique routiné. Une personne qui a un cœur très sensible à la condition humaine. Tshisekedi n'écoute pas le bruit des fourmis. Mais par contre, ce que Kabuya fait avec ses gendarmes aujourd'hui, ça fragilise l'action du chef de l'État. Ils doivent comprendre que Boussa était scientifique et il continue à l'être. Il travaille pour accompagner la vision de la République. Les guerres de positionnement politique, si tu veux remplacer les gens, enlever des crèmes intellectuelles et remplacer à tes familles et tes connaissances, fais-les d'une autre manière. Donc aujourd'hui, ils doivent comprendre, mais le président de la République sait lui-même qu'il a besoin de personnes qui travaillent mieux. Boussa n'a pas de mérité. Donc la guerre politique de Kabuya et ses miliciens, ils peuvent le faire à la 10e rue. Donc qu'il laisse Boussa travailler. Parce qu'aujourd'hui, Kabuya n'est pas une institution, je le dis à tout le monde, hein. Kabuya n'est pas une institution. Je salue d'ailleurs Jacqueline Chabani pour les mesures qu'il a prises. Qu'un chef de parti politique ne peut jamais dicter sur la police ni sur les militaires. Ça, c'est très bien Jacqueline Chabani. C'est comme ça qu'on a accompagné les chefs de l'État. On a assisté à des choses macabres où Kabuya peut se lever le matin, prendre son téléphone, appeler le général de la police, venez m'arrêter les gens ici, sans raison. Et je trouve que les gens qui accompagnent le chef de l'État, Jacqueline Chabani, Boussa aujourd'hui, on doit le comprendre comme scientifique. Et ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce que Boussa a dit, ils ont autre chose à la place du cerveau. Merci beaucoup, Mwalamboka. Agression rwandaise, grande ligne et orientation diplomatique, il y a un nouveau mandat. Et puis, ça m'a dit lobby, la ministre des Affaires étrangères, Zaki Bosso, il y a Pandi Sango, lobby Moleki, Pesaki Penza, la Mozindo, Ninezali Kosalema, et sur le plan diplomatique, Matolanda, qui fait déclaration, il y a France, Kuna, le Conseil de sécurité, Wapibisika, c'est na ba troupe rwandaise ba longo ba bien na biso malgré ba rapport ya ndenge na ndenge na Rwanda et puis penza sanction lo lenge lo banite trêve humanitaire est-ce que ezali souveraineté en mboka na biso déjà bafoué par les États-Unis madame la ministre d'État en charge des affaires étrangères répondra ki Rubi Moleki yango ezali ko sale ma sur terrain mais na volonté ya il y a pouvoir, il y a Kinshasa pour tout le monde, tout ça la mieux. Et Tata Mokabieko, le lobby Moleki, a Koutanaki, le Susuna, Tax Force, il y a au commandement, il y a au commandement militaire, Biska, Pesaki, orientation, il y a Sika, pour la situation sécuritaire dans la partie est, Ndeko, Jean-Pingadola. To analyser le monde, on a eu salemi en une semaine pour redonner l'image à Sikapé, pour sa force et surtout trêve humanitaire aux Alikos Salma sur place. Votre lecture, est-ce que nous sommes sur la bonne voie dans le deuxième mandat? Merci, Nayo, Maman Naomi. Yambona, Tondola Mokonzawana, Osembouliawa.
nakosepela koyebisana mama Naomi eyalaka kaka te malonga tosalaka thématique mibale okotia pe moko soki ezali ezotouche ba sensibilité makasi. Situation de l'Est est ozokomona wana soki IDP sazo continuer ko fonctionner ninga zo fonctionner wana et ko kipe ko amplifier ce qui est en train de se passer. Quel est le rapport? L'IDP c'est un parti au pouvoir. Kabuya n'est pas n'importe qui. C'est un grand influenceur na kati ya gestion ya République. Soki famille ya politique ya Tshisekedi de vandi kimiate et ko ki ko impacter sur yé et ba bonne décision ko risquer peso mama la moto. Nani wa kozala na kimia soki libota na ezana kimiate. Yo ko ya ko sale mission soki libota no ya kimiate. Et senge libota ya la na kimia nde boye ko sa mosala na kimia. Yango tango biso to koloba ete Kabuya yebake ba homme fort nyonso na politique basuka mabe. Je me rappelle un président africain qu'il était un homme très fort akufa bolumbu balongola bilamba batika ebo na balabala baboma ebo en plein air bolumbu na kotanga kombo na ete Mobutu azalaka homme plus fort en Afrique les lois ali wapi asuka boni. Tous les hommes forts, le général Mayeba, le général Mayele, Baoyo, Batonion sur Makasi, Bakongolo, Saddam Hussein. Kadhafi, Bachesescu. Basukaka, toujours Mabé. La politique des muscles n'existe plus, c'est maintenant les cerveaux. Les peuples souffrent énormément. Maman, l'émission niveau souffrance, c'est l'équipe. Dollar est commis 29 000 aujourd'hui. Tu achètes un 10 dollars, c'est 30 000 francs. 20 dollars et comme il est là, 60 000 francs congolais. Pendant tout ce temps-là, Kabuya nous crée encore des spectacles désolants dans la partie où ils ont géré le pouvoir. Bien que ça fait privé, mais bon, il pète, maman. Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Maman, na Kobanza Brahel a ebi makasi parce qu'il a sali droit international, a tangi relation internationale. Na sepela ka du côté scientifique, ce qui toujours ko abordé na e question wana. Et a zalaka plus scientifique et profondant dans cela. Et j'ai toujours aimé ça. Na koutani na ena mokonza o mbala mingi na ebi ndenga réfléchi ça, en tout cas pertinemment. Mais a ebi eloko moko. Dans les règlements de conflits en droit international, même en droit international de guerre, parce que ça existe. Uh-huh. C'est un coup. Les voies diplomatiques, les voies politiques et également des négociations ont été toujours des bonnes voies à suivre. Des canaux nécessaires à demeurer s'il y en a l'opportunité. Nabisson a droit à l'obaka. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Maman, t'as la guerre, n'est-ce pas, soit son bongo. Kabuya, quand on a vu le bal au banaye, à l'obaki, effort, nuance, ce que mon imboka, tout le temps, moussamala, monte, nuance, tout le temps, un effort de guerre. Donc, à quoi ça qui bisso? Nuance, un bongo, zo congolais, zo kenena, effort de détournement, yamouye minabam. En réalité, parce que, mauvais arrangement, l'ikolaksani. À ce jour, maman, et talisami noir sur blanc. Que biso toboy ko négocier. Une décision que je prends, je salue. Toboy ko négocier na ba rebelle, toboy tout ça, avec le Rwanda et tout consort. Mais sur le terrain, 4 territoires recueillis. Tout ça, sur 145 territoires. Tout comme na, sur 101 territoires. 141, donc moins 4, ça reste comme. Tu ko, ozo mon asikao. Donc sur le terrain, tozo pola. Kopola, pourquoi? Parce que lorsque Némia a arrivé à s'installer dans Mbokanayo, c'est déjà l'échec. Donc l'échec n'est pas seulement que sur le territoire. Du moment où tu as vivre à que tu sais qu'il ne sait pas donner les ordres à Bounagana, à Kanyabayonga, déjà c'était l'échec pour nous. On n'en est pas. La tribu du chef de l'État est partie, madame. On est chef de l'État sur un territoire donné. Vous exercez. Mais quand vous avez 4 territoires et Bendani, donc c'est-à-dire que tous alliés ont un chef de l'État, mais tous en un président de la République. Et tout cela veut dire quoi? L'incompétence.
Na sepele loko ndeko nanga lobi régime ezali na côté animal boniama. Baso kamba biso lokola bantaba na zamba tozo bate côté tozo kende. Tozo kende kaka bulu yeke lokola tono zo kitana ngomba. Nzambe sunga biso ozo molimo ya bato to bendela biso 2028 te koma pemeni to sila nana bato par voie d'élection bakende na bango. Quel niveau d'incompétence? Aucune politique de gestion. Maintenant là notre souveraineté mise en jeu. C'est les États-Unis, les Européens, qui sont ordre. Et nous exécutons. Madame, ce n'est pas la République que Tshisekedi aurait géré. Je peux si ordre, selon madame. Tika na yo, maman. A proposé le gouvernement congolais intimi, gouvernement et Rwanda. Maman. Nous avons quand même en face internationaliste. Nous avons un micro, nous avons une proposition, nous avons un petit. Qu'est-ce que vous appelez l'ordre en droit international? L'avantage, c'est que nous avons tangi droit international et de guerre. D'abord, droit international, il y a un droit de guerre, nous avons droit de guerre international. Diplomatie, nous avons droit de guerre internationale. Quand vous avez il y a un droit de guerre. Est-ce que vous avez un droit de relation internationale? Non, attendez, mais sauf si. Est-ce que vous avez un droit de classe, dans la faculté, vous avez un droit de relation internationale? Vous avez un droit de guerre. Vous avez un droit de guerre. Bon, tout ce que c'est la moutou makam. Ce que tout le monde a dit, c'est que tout le monde a dit, c'est que tout le monde a dit, c'est que tout le monde a dit, maman, tu as dit que partout. Donc, na as dit que tu as dit que tu as dit que tu awa, chef de l'État, il a dit fort, wane sili. Et tu as dit que tu as dit que ordre. Tout ça va battre, tout ça va battre, tout ça va battre, pour des raisons humanitaires. Quelle humanitaire? On a échoué, c'est ce qu'on peut dire, maman. Je n'ai pas d'autre moyen. Face à moi, ma petite rebelle, on a mis qui tu es joué. Yemi Sangaï. Proposition Oyo. Kabou Yazou, mais ma chef de l'État pour la Makambo Est. Matinée politique, ni ni osso yoka. Kabou Yazou, telemi alobe l'école. Alobe la vie chère. Alobe la courant, alobe la maille. Alobe la population, zo koufa na passe. Alors, mais la Est, après sa proposition, na 10e rue, n'ayant encore mon alloi ambassade. Mais dernièrement, Azalaki. Aïe, parce qu'il dépèse l'ombre, Torotonganda, vous n'allez pas voir. Azalaki, Azalaki, Torotonganda, maman. Il y a quand Luca, Nalobi, Bahi baka batonga ka wate. Soka beli ba ko traité a wate. Mais soko lio ki na monoko na ye chef de l'état tongi bo hôpital a sika. Ya ki top. Mais yo zo belo zo ki ma bato ba traité. Donc biso neto kende ra ko. Yo ke na rate. Mama ba wa mi balé na souci na 1 minute ko lo bana yo bo. 30 secondes ko lo bana yo bo li. Kambo na monyele ne ko lo to bengi esté. Na tondoli ko yebisa yo bo e mama. Ye ba ete. Feli Tshisekedi. A échoué na yo etali sécurité na défense ya ekolo na biso. A multiplier ma réunion et qu'on a zéro. Ba ordre zo ta libanda. Mais la meilleure solution pour nous cannabiso est le dialogue à l'interne. Nous devons parler entre nous. Tosi sa guerre wana entre biso. Maman, c'est plus facile. Balobin a droit, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Tosali ba guerre yango, tosa ma casse, ba territoire bazo zo biso. Commandement militaire mieux opéré na bunaga na moment na oye bisayo. Nanga zo kota zo tambola ndenga mimoni na territoire congolais rebelle. Ata Kabila ngo nani o musée akotaka boité le kola nanga akotambola ka ko sala makambo etalisi ke pouvoir na biso Kinshasa échoué le kola échoué to vanda elongo na mesa ba force politique nyonso to sangana to solola likambo to yebisana ke moninga ozo sala guerre pamba ozo bomande bande kona yo tika makambo yo yaka to vanda to lukata un mauvais arrangement. Que guerre, ils ont coûté mis son bon rebelle, ils ont profité na kimuyibi. Merci beaucoup, mon amboka Ndeko, Brahim Kalala, Malbomboka Ayo. Lors du Conseil de sécurité, la France a dénoncé qui présence de plus en plus importante yaba force militaire rwandaise sur le territoire congolais. Puis, justement, la bango, où ils allient Malamo Mingite, et il y a un rapport, ils allient Peko. Indexé Ouganda cause en Akati à situation Oyo. Est-ce que tu rejoins même
même position dans les Rwanda, puis dans Uganda, position à Kinshasa et Kozalanini, et pourquoi le Rwanda n'est toujours pas sanctionné malgré par rapport, puis par rapport sur situation sécuritaire à la partie Est. Oui, merci beaucoup Madame Normi. Il faut comprendre que nous sommes en droit international, et puis vous savez, en droit international, la souveraineté des États, les alliés privilèges, c'est une responsabilité que les États permettent à Bango pour que Bango exerce compétence na Bango sur le territoire au niveau interne et puis au niveau externe. Le droit international est encore régi par l'hiérarchisation. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a l'hiérarchisation des États où il permettra pour que Bango pour décider. Dans la notre situation actuelle aujourd'hui, si vous lisez l'accord troisième addition de l'AE, article de 1998, si je ne m'oublie pas, c'est-à-dire à PC à disposition, comment il faut faire la guerre. Vous voyez, même le système international, pour nous les États, c'est vraiment déconseillé tout ça la guerre. Vous voyez, pour faire la guerre aujourd'hui, ça pose un problème d'abord au niveau économique. Le Congo, d'abord, sur le plan économique, toujours stagné. C'est-à-dire, je ne vois pas l'État congolais mobilise autant de moyens pour qu'on voit ça ni pour qu'il y ait la guerre. Mais nous sommes déjà en guerre, écoutez, nous sommes déjà à guerre. Nous sommes dans la guerre, c'est une agression, s'il faut qu'on se le dise. Parce qu'il y a une différence entre la guerre et l'agression. Mais ça pose très problème aujourd'hui, parce que ça, je donne la responsabilité au niveau de la communauté internationale aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître officiellement que le Congo est agressé par le Rwanda. Ça pose un problème. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, le Rwanda n'est pas toujours sanctionné par la communauté internationale. Parce que les sanctions internationales font partie de principes du droit international. Les sanctions internationales. Mais au Congo, Batouana demande seulement à ce que le Congo négocie avec le M23. Non, ça paraît très aberrant. Parce que le M23 aujourd'hui est considéré comme acteurs illégaux qui trouble le système international. L'État ne peut pas négocier avec une structure. Ça pose un problème. Ça, c'est fragiliser la souveraineté d'un État. S'il faut négocier ou parler avec... il faut négocier avec la communauté internationale et puis le Rwanda et nos pays voisins. C'est ça qui ressent la question. Si le président de la République ne refuse toujours de négocier avec les inventeurs, moi, je donne raison. On appelle ça position affichée. Dans la théorie des négociations, ça ne permet pas que ça permet le président de la République, en somme, maintenant gouvernement national, de pouvoir modifier position prise par la communauté internationale et les pays voisins. On ne peut pas négocier avec les inventeurs parce qu'ils n'ont pas crédit. Les États ne négocient pas avec les structures rebelles et tout ensemble. Parce que ce que le M23 fait aujourd'hui, on peut considérer que, bien qu'ils n'ont pas encore fait leur adhésion officielle comme des mouvements État islamique, mais les actes que le M23 pose aujourd'hui, on peut les qualifier comme des actes terroristes. Parce qu'ils tuent, bazo kidnappé, ce sont le même fait. Oh, tozo bengayango, les faits internationaux. Oh, il faut que le Rwanda bazala sanctionné. Vous voyez, la France, aujourd'hui, position au Bazo Senganabisoana, oui, Bozo Lingaikena Bobolobi, non, les M23 et tout. Qu'est-ce que la France a sali comme décision? Parce que la communauté internationale est censée, au cas de problème, on a un clin d'œil, il va dire que non, Rwanda, il faut cesser de négocier avec ça, et nous voulons que paix et zonga. Bien qu'aujourd'hui, Bissona, Rwanda, tous les sources, la relation est bien, mais il y a des canaux, ils ont l'attaqué. Le président de la République a toujours la bonne voie, il y a qu'on négocie avec les inventeurs, entre autres l'Union africaine. Parce qu'on est tous membres de l'Union africaine. Ce sont des canaux et ça, qui sont à ceux qui ont à partir peut-être de l'Union africaine, on peut négocier. Jusqu'à présent, on n'a pas encore remis cause, on n'a pas encore remis la cause, il y a encore fait des routes de Londres, le 28 juillet, si je ne m'abuse pas. C'est-à-dire, ça, on salue la responsabilité du président de la République, Ezo Lakisake, Azaka Kana volonté, Yako Lukako, on négocie avec Rwanda. Et pourquoi nous citons plus le Rwanda alors que l'Ouganda est aussi... C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'il y a. Même l'Ouganda aujourd'hui, Bazo jouer le jeu. Leur problème, les alliés, il faut déstabiliser les politiques
diplomatique du Congo. Vous voyez? Mais il faut d'abord commencer à féliciter le président de la République parce que les lignes sur la scène internationale commencent à bouger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des assises au sein de l'Union du Conseil de sécurité. C'était hier d'ailleurs, pour décider sur l'avenir du Congo. Ce n'est pas qu'il va violer notre souveraineté. Parce que le Conseil de sécurité aujourd'hui est considéré comme l'organe délibérant sur la réglementation des conflits internationaux entre les États aussi. C'est-à-dire, le Conseil de sécurité peut intervenir là où les choses ne marchent pas. Mais le Conseil de sécurité, il faut ce qu'on base sur la maison, beaucoup courageuse, j'ai roulé dans l'accent, dans le mot qui est mon bimbaque. N'est-ce pas ça, on a reçu. C'est-à-dire que Russie a agressé l'Ukraine. Il fallait, par contre, pas ça, on a au Congo. Parce que ce que nous vivons aussi, on sent juste politique, il y a deux points, deux maisons. Merci beaucoup, Madame Boka. Ndeko Dinanga fierté. Ndeko Jean-Pierre Oti Koloba, avec les politiques qui attendent mon cambier, qui ont échoué complètement. C'est vrai que c'est un conflit qui est daté. Il y a deux décennies déjà. Est-ce qu'il y a encore plus d'efforts sur terrain pour améliorer la situation de la partie? Merci beaucoup. C'est un point de vue que j'ai l'obligation de respect. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs ce plateau parce que je vois qu'il y a des personnes qui respectent les conditions des émissions et qui réfléchissent d'ailleurs très bien. C'est une première que je sois avec eux. Je vous salue et je respecte vos opinions. Merci. Donc, l'internationaliste l'a dit tout à l'heure et il a peint un tableau qui n'est pas à revisiter. Mais je vais juste ajouter pour dire que la noblesse de la diplomatie, c'est de l'hypocrisie. Il ne va pas me contredire. Aujourd'hui, dire que Tshisekedi a échoué, je pense encore que je respecte son point de vue, mais le contraire, je le démontre sur ce plateau. Vous avez effleuré un tout petit peu. Mboka na biso République démocratique du Congo est hérité na système moko depuis 1885. Je l'ai dit ici. Ça veut dire que Mundele, voilà, Mundele aï à la Kisibiso que nous sommes des enfants pour qui on doit tout faire. Nous avons une politique de vie sociétale ou sociale extravertie. La main est tendue toujours à l'Occident. Et ça a impacté même sur la mémoire des hommes politiques. Depuis 1885 jusqu'à 1960, je l'ai démontré ici, on n'avait jamais connu de remises et reprises. Tout s'était chamboulé. Et la conférence économique, le Congo n'a pas participé. Et la sommation des erreurs sont héritées par Félix Tshisekedi. Et vu la grandeur de ses erreurs, la grandeur de la souffrance, il s'est donné la tâche de relever la République. L'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Tshisekedi travaille sur tous les fronts. Aujourd'hui, Tshisekedi a réussi notre diplomatie. Ça, il faut le dire. C'est une réussite totale. À l'époque de Kabila, une diplomatie agissante et anticipative. Tshisekedi, il faut aussi ajouter, vous voyez, quand on dit il y a une réussite sur le plan de diplomatie agissante, la diplomatie agissante veut seulement dire que non, les rapports entre les États. Très bien. Aujourd'hui, si vous sentez aujourd'hui notre pays, nous sommes en bonne relation avec tout le. Très bien. Par là ça, il veut tout simplement dire que le monde, restant un village planétaire, on a besoin de tous pour exister. Tshisekedi a créé un climat de confort, de respect. C'est ça, la diplomatie agissante. Et cette diplomatie est très agissante et anticipative. Aujourd'hui, on peut parler de l'agression du Rwanda au Congo. Ça, c'est Tshisekedi qui a instauré, qui a mis les mots sur la langue des concepts du monde pour leur dire que je suis agressé par le Rwanda. Et aujourd'hui, quand mon frère dit que l'argent des efforts de guerre ne fonctionne pas, ce qu'on a, sont détournés, il a d'une part raison, mais je vais lui dire que Tshisekedi a axé son action pour la restauration de l'autorité de l'État, la restauration de la paix et la survivance du peuple congolais. C'est vrai, le détournement, on en a eu. Voilà pourquoi on pose la question à Augustin Kabuya. Quand celui qui était aux finances, comment il s'appelle encore? Je ne le cite pas parce que c'est une antivaleur. Ce monsieur au ministère des Finances a détourné autant de millions. Nous n'avons pas vu Kabuya tenir une matinée politique pour lui dire que remet l'argent dans la caisse de l'État. La seule personne qui n'accompagne pas Félix Tshisekedi, c'est Augustin Kabuya. Je referme. Je referme la parenthèse. Est-ce que Kabuya a déjà dit cela? Il lui dit qu'autre chose, il tabasse les gens. Il ne dit pas que ce monsieur Foutron-là volait l'argent de la République, il est parti. Et donc, je vais dire que la France s'est maître pour pouvoir parler comme ils ont dit. Nous disons, c'est juste un coup de paix dans l'eau.
parce que Tshisekedi a agenouillé la France. Dès la part de au départ, c'était la visite du président français ici. Tshisekedi a démontré à la fin du monde que la France était derrière les magouilles. Et aujourd'hui, il y a un aspect des choses que beaucoup de Congolais ne comprennent pas. La plupart des pays de l'Occident tirent leurs dividendes au Rwanda, qui ne produit pas le coltan, qui ne produit pas de l'or, qui n'a même pas la gaz méthane comme nous, notre lac le produit. Mais le Rwanda a toutes ces richesses qu'il vole ici chez nous. Par conséquent, toutes les nations l'appuient. Toutes les nations font des manœuvres dilatoires parce qu'ils savent que si la diplomatie de Tshisekedi frappe fort, ils vont couper, ils n'auront pas de dividendes. Par contre, Tshisekedi, dans sa mission, dans son souci de pouvoir éradiquer les maux qui rongent la République, il a même ouvert une brèche à travers une émission en France. Il a dit qu'il serait prêt à travailler avec la Russie, la Chine et autres qui viennent à travers la voie officielle. Et tout ça, les Congolais ne voient pas. Je pense que les Congolais ont toujours tendance à rester dans la mémoire d'une pensée pieuse. C'est-à-dire qu'après Félix Tshisekedi, le même Congolais passeront pour dire que Tshisekedi était bon. Mais moi, je ne ferai pas partie de ceux qui regrettent trop Félix Tshisekedi. Je veux l'accompagner quand il pose l'acte de contribution à l'avancement de la République. Et ceux qui me connaissent savent que je suis réglo. Quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Quand ça va, je dis que ça marche. Puisque vous dites que sur le plan diplomatique, Makambe Tamboli, Madame Molobi, diplomatie agissante, est-ce que la cima diplomatie, on a tout ça quand même lié au Lélo Togoye Kolobaki, la RDC peut compter sur tel pays, la cause n'aille. Très bien, ça c'est une très grande question. On a vu Tshisekedi tourner en Afrique, voir les présidents qui posent des actions macabres en Afrique, positives. Tshisekedi a discuté avec ces gens-là. L'aspect diplomatique, c'est le meilleur pour Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, certes, il y a des pays qui résistent encore, qui font le toutou, qui jouent à la diplomatie. Ils ne veulent pas s'afficher officiellement avec le Congo parce qu'ils savent que le Congo sera à la détonation d'une guerre mondiale. Si tous les pays se rallient derrière le Congo, avec la position de Tshisekedi, on peut déclencher une guerre. Et la plupart sont diplomates, ils ne veulent pas s'afficher. Mais Tshisekedi a des alliés qui aujourd'hui sont en train de... Parce que la diplomatie, c'est un aspect qui se fait dans les coulisses. Les non-dits de la politique extérieure, c'est la diplomatie. Et les gens qui ne comprennent pas veulent que Tshisekedi dise « Allons-y, il y a en guerre avec le Rwanda. » Non, madame. On ne peut pas aujourd'hui vivre les réalités géostratégiques. On ne peut pas aller en guerre comme ça avec le Rwanda. La guerre a deux ou trois aspects. Diplomatique, militaire et aussi économique. Nous sommes attaqués sur la guerre économique, tout le monde le sait. Voilà pourquoi on peut me crier ici que la vie sociale du Congolais ne s'améliore pas. Oui, certes, il y a des réformes dans ce secteur que le président est en train de mettre en place. À côté de ces vols et détournements qu'on est en train d'assister aujourd'hui, bravo à Gilles Alinguete. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est quoi? Je salue d'ailleurs, en passant, Mutamba, qui est un ami, qui est un frère, une personne avec qui on a passé de grands moments, qui était de l'autre côté de l'histoire et qui connaît la douleur. Lorsqu'on a peur du mal, on ressent le mal de la peur. Merci. Mutamba devrait s'en tenir pour que les détourneurs ne fouillent pas la République, qu'ils soient punis, ça sera une punition purement pédagogique. Mais pour chiter, le président Félix Tshisekedi a besoin de l'accompagnement de Congolais scientifiques, intellectuels et aussi qui sont une force de proposition pour le devenir de la République. Très bien, merci beaucoup. Question Moutouna sur Balié. Est-ce qu'il faut nommément citer tel État, même la région des Grands Lacs, même l'Afrique à Mobimba, tel État est derrière la RDC? Ça reste encore une question au Naju et à noter. Tout chité, émission comme la Soukana, on peut s'amonter la moto. 1:30 pour tout chité. Moi, je dois réagir, madame. Ils sont à deux. Tout le monde a son temps de parole. Tout le monde a son temps. Nous, on a pris parole après toi. Tu avais déjà abordé la question. C'est la fin de l'émission. Toko, soit le mot de la fin. J'aimerais que Toko soit deux, même 30 secondes pour parler de la ville de Kinshasa, de Kobumba, Zokota na Mosala. Tomonaki, ministre de l'Intérieur, Kobengisa Bango, yé na gouverneur ya Okatanga pour na likambeta liba nomination. Et le gouvernement Okatanga a plié à nommer cette fois-ci 10 membres dans le gouvernement. Mais tout le monde a voté dans un bon défaut Bumba. Et ce matin, j'apprends qu'il a nommé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Un de notre, Israël Motala, le directeur du cabinet. C'est vrai qu'il y a un compte à la Moussala. S'il y a un conseil à donner, qu'est-ce qu'il faut attendre de Daniel Bumba?
Très rapidement, maman, na banda na dernier intervenant de Konangaï Fierté Dinanga, qui a dit que Félix Tshisekedi azali na diplomatie agissante. De Konangaï tika ko buba lokuta, tika ko sambulu alolengo boye na katina etando surtout o ya ya kitoko lokolo to yali. Félix Tshisekedi maman azali na diplomatie agissante te. Ya zali na diplomatie agitatoire. Et ko lenga lenga lokola chemise moto la taka na bomo na benga manga manga. Hein, donc azali na diplomatie moko ya ezoko ningana ningana. Ya na diplomatie agissante te. Ya zali na oyo agitatoire. Yango ye Tshisekedi ali nango. Maman, otunie motuna parce que soki zali diplomatie agissante, l'impact sur terre. Na kati ya Congo impact ya nini? Maman, quand on vous dit la diplomatie agissante, il faut que lorsqu'on attaque la Russie, Mbalamoko Corée à l'obi, ceux qui vont m'aider à attaquer Ngapé. Mbalamoko Tiriké à l'obi, ceux qui vont m'aider à attaquer. C'est ça la diplomatie. Bon, mais on quoi? Batozo Pakatambang. Autant de millions de déplacés à interne. Batomoko Koufana Banzala. Diplomatie agissante. Oh, de quoi? Kindo kya mokolo ya kamala mou mingite. Ya kana ba confusion et belé. Dans mon compte, à mon Otunia. Otunia, pays ni ni oazali côté na biso na diplomatie en agissante. A kende liyo makambouza ngatina, parce qu'ils alité. Kabila tika karissu. Na diplomatie na biso mabe, oye, tozara kasu na paye, zara na sima na biso te. Nana kolobe la biso, batange la biyo awa, zate. Pona nini, ma vwange le biso mingi mama. Nous sommes l'unique pays au monde où toutes les institutions bakanga omi hip. Toutes les institutions, la présidence, ba karamu yipi kuna na kati. Tu es na sénat, ba otu karabamu yipi. Tu es na parlement, ba karibamu yipi. Tu es na gouvernement, ba karibamu yipi. Tu es na gouvernement provincial, ba karango bilamu yipi. So yipi sanga yipi ba to modelo yopenza, yoko lobano, ba za diplomatie agissante. Nana mwa wako soutenir bino. Mais grâce à la diplomatie, wanande tozui, levé et ya régime ya notification. Bon, merci. Levé et longwe et sili. Ok, vous avez raison. Bon, quand il y a un peu de temps, hein, maman? Non, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que qui toko levé ba longwe le mesure ya bobola na vie et longwe. Mais bon, continuez à la nzala, bon mesure vous servir la vie. A rien du tout. Na zone linde konanga ya uti koloba alobi boye la théorie affichée en droit international. L'opposition affichée. L'opposition affichée. Qui ne donne pas, oui. Voilà. Lorsque en négociation, n'est-ce pas? En théorie de négociation en droit international, bakendaka radical te. Il y a des positions affichées. Pardon, laissez-moi. Bon, combien agité bolé? Attends, je t'attends belé. Ah, nous on peut tout à l'heure. Ici c'est le peuple qui parle. J'ai dit ceci. D'ailleurs, c'est un mot de la fin. J'étais en train de dire que en théorie de négociation en droit international, bakendaka na position mon côté. Par contre, tu sais que tu vas avec une seule position. C'est comme ça que ça échoue. Il faut aller toujours avec deux ou trois positions. Et puis, il faut être flexible. Papa, si vous êtes très fort, vous êtes très fort en négociation, sans cause à la base, à ma casse, vous êtes. Qu'est-ce que représente le pays ici en termes militaires? Quel est notre poids militaire? Même tant que l'on a ma souveraineté, la souveraineté s'impose. Parce que c'est un attribut de l'État. Mais ici, de Kobrael, il faut y aller. Tu as battu Tangi Maram. Lorsqu'un pays exécute déjà l'ordre donné par ailleurs, exécuté à l'interne, il y a déjà bradage de votre souveraineté. La souveraineté même déjà. Parce que lorsque l'État, Bocha trêve, Boche, Bapesibin ordre, Bocha, Ango Boche, la souveraineté est partie. Parce que beaucoup chaté, un pays souverain, est-ce qu'on peut dire ça à Russie? Est-ce qu'on peut dire ça dans le pays des États-Unis? Maman, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Les Kambo et Tali Bumba. Je suis une malédiction, toi, je suis ici. Oh là là, pour nous, c'est collègue Kabuya. Je suis ici, copie, photocopié, certifié conforme à l'original de son Kabuya. C'est celui qu'on a. Un deuxième Maweja au pays. Gouverneur, c'est celui-là. Maman, Moussala n'a pas de bandit à Sali Bagriff. Il y a un peu de temps à Bumba
Oye agrifa ba polo na ba sapatu tozo tanga Bumba gouverneur. Po Bumba gouverneur atal ici déjà ka ko échouer. Comment? Yo. Bien. Bongo mutina na ko tambola na 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 kabuya penda za la pire kabuya a réussir na gestion école. Asate. Même des autres zo mon ezana kat même ya au ville à Kinshasa, même ba nomination zo mon azo lingate kolongola. Moninga na longoli wana ya li kolongola te. Soko lani na se kabuya bi kolongola te. Est-ce que vous comprenez? Donc, beaucoup de temps pour la main. Donc, vous avez qui dirige? Mais le CG à l'Oba qui, le CG Augustin Kabouya a dit clairement qu'il n'est pour rien dans l'histoire. On connaît le joueur et son jeu. Et ça, il y a déjà Nganga. Attends, Andy Bali. Donc, généralement, Kabouya joue un mauvais jeu. Merci. Mais malheur à lui, c'est quoi? C'est qu'à ce jour, Bissot Ozali va licencier avant Yassine. C'est-à-dire, Makambo a joué un jeu à l'Elo. Bilengi nango biso sitoye ba ya. Très bien. Donc moi bou ba biso ko sa biso ezate. Allez dire à Kabouya de retirer sa main à la gestion de la République. Il doit savoir une chose qui est de, qui à ce jour, il est un homme d'État. Sa bouche peut brûler le pays, sa bouche peut mettre la paix, sa bouche peut créer des désordres dans le pays. Il doit maîtriser sa bouche. Et le chef de l'État, il doit veiller à la limite, soit que le chef de l'État lui-même démissionne ou qu'il allons le biso Kabouya ou Basomba kadena munene na baskoch bakanga na muno kwa Kabouya. Trop c'est trop. On tire la fixation sur Kabouya, c'est quoi le problème? Moi la mboka, votre mot de la fin est il a noté, il a pris question sur la RDC. Il a pris 1 minute et 25 secondes. Non, on va 1 minute. Mais la monine de Jean-Pierre azana ba confusion moi mine. Tantôt il parle diplomatie, tantôt, Azuma Rambo, politique étrangère, politique internationale, politique extérieure. Non, non, j'ai parlé de la théorie des négociations en droit international. Ce qui englobe en général le droit international. Vous savez, quand les États qui ont participé à la négociation, il y a aussi une position, on appelle position affichée. Oui, ça l'a raté. N'a pas soin de négocier. C'est un principe international. Quand ça échoue, vous recourez directement à la position non affichée. C'est comme si vous demandez aux États-Unis de négocier avec l'État islamique. Ce sont les acteurs troublants du système international. On ne négocie pas avec eux. Il faut avoir une position affichée contre ce genre de structures. Je parle ça au niveau de M23. C'est-à-dire qu'il faut avoir une position affichée. Par rapport à la diplomatie agissante, vous savez, la diplomatie à distance, ça fait juste partie de la fluidité des négociations entre les deux États. Et ça va entre les États, les deux États, et non plusieurs États. La diplomatie à distance ne se résume pas sur le plan multilatéral. Vous voyez, quand il parle ici, le Congo, il fait allusion à la politique étrangère d'un État. Il faut faire une différence entre la diplomatie et la politique étrangère. La politique étrangère, écoutez, fait partie de la diplomatie d'un pays. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Il veut séparer ça? Non, c'est deux choses différentes, je vous dis. Non. Attends, non. La diplomatie, c'est... La politique extérieure, c'est une notion dans la diplomatie. Ça, la diplomatie, c'est entre les deux États. C'est une coopération structurée, c'est-à-dire entre les ambassades, c'est ça la diplomatie. La politique étrangère, ce sont les questions politiques internationales orientées d'un État vers l'extérieur, c'est-à-dire sur le plan d'influence. On peut influencer naba système comme naba organisations internationales. Je donne l'exemple de la France aujourd'hui. La France a pris part et non comme un État partenaire de la RDC. Il demande au Conseil de sécurité comme organe délibérant du système international, ce n'est pas que la France décide sur notre souveraineté. Il ne faut pas que les États, tant que tu as organisation, on cède une partie des responsabilités de la souveraineté. Parce que les organisations internationales, basalent la personnalité juridique, tu vas trouver un carrément par rapport aux États. C'est-à-dire, on peut dire aujourd'hui, écoutez... Lorsqu'on exécute un ordre... Aujourd'hui, il faut remercier le président de la République parce que notre Congo, depuis 60, on n'avait pas une politique étrangère du pays. Vous voyez, grâce avec le président de la République aujourd'hui, nous avons eu à renouer avec nos partenaires de l'Union européenne. Oyo Kabila,
na chez Okitunda à l'époque, bah c'est ngaki qui n'a tout bon accord à Lomé. Parce que c'est l'accord de Lomé, n'est pas ça qui bise surtout à l'interaction entre l'Union africaine et l'Union européenne. Impact au Congo. Mais faut le voir. Non, les hommes, mais la Congo ni ouais. C'est ça, c'est que les Congolais attendent. Non, ici, on doit réfléchir. Il y a des amis qui tentent aux hommes, comment est gagné pour être aussi beau. Aujourd'hui, tu as gagné parce qu'aujourd'hui, les Congolais, aujourd'hui, nous sommes mieux représentés dans le chiquet international. Oui, mais le tout le monde. Ouais. Ici, ici. Oh. Mais c'est non, ça, non, mais, madame. Mais toi, quand tu vas me dire, l'impact. Non, vous venez déranger. Non, allez, je suis sur l'impact. La population qui nous suit fait attendre ceci. Que ce que tu as dit, c'est bon. Maintenant, l'impact. Grâce au président de la République aujourd'hui, depuis 1960, c'est pour la première fois que Congo est dans la bonne relation avec les Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Donc, il faut féliciter ça. Grâce au président de la République aujourd'hui, il faut que nous redéfinissions notre système politique et notre politique étrangère ou diplomatique avec la Chine. C'est-à-dire, on a même, le président de la République a même réussi de revisiter le contrat sino-congolais. C'est une diplomatie agissante. Ça, ça existait depuis Kabila. Non, 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 la révisitation. C'est-à-dire qu'il a orienté. Donc, révisiter ce que vous avez fait. C'est une chose que Kabila a fait. C'est des choses qui ont été acceptées que ça commence avec Kabila. Mais comme on a bénéficié d'une moitié. Les lots grâce à la révisitation, les lots grâce à la révisitation, les lots grâce à la révisitation, il fait un rapport et ton rapport. Les lots grâce à la révisitation, il y a Congo, il y a Chino-Congolais, il y a Kimbati qui va sur route. Vous voyez, Nabi, grâce à ça, c'est-à-dire que fait palpable, vous voyez le résultat aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Moi, je vais tout simplement dire votre quoi. Mot de la fin. Moi, je déplore le comportement même des scientifiques congolais. Moi, Lamboga pas et tes amis, c'est un scientifique. Un scientifique ne table pas sur des doutes sceptiques. Il faut avoir des doutes méthodiques. Il faut être très méthodique. Ici, moi, on est au Congo. On a hérité d'une situation de crise qui date depuis des décennies. Vous voulez que 60 ans de destruction. Tshisekedi arrive aujourd'hui, 5 ans, il met tout sur le rail et puis tout s'allume. Non, la gestion de la Respublica est axée sur le temps et sur le résultat. Voilà même pourquoi il est question d'un mandat renouvelable. Ça veut dire que le principe de la continuité des affaires de l'État voudrait que Tshisekedi fasse mieux. Après lui, une autre personne vient, au lieu de construire les routes. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? S'il te plaît, oh là là. Citez ce qu'il a fait. Au lieu de construire les routes, la personne qui viendra après Tshisekedi fera autre chose. Ainsi de suite, on nous appellera pays de vieille démocratie. Alors, quand mon frère ici rejette en bloc que Tshisekedi n'a pas avancé diplomatiquement, ce sont ses mots, et ceux qui nous regardent comprennent qu'il est juriste, il est scientifique, bravo à ta science et à ton droit. Ça, c'est vrai. Mais il faudrait comprendre que Tshisekedi a hérité d'une diplomatie fermée. On nous a très faible. On nous a fermé. Il a hérité aussi l'IDP. S'il te plaît, tu es par pied. Mais oui, non, la maison Schengen était fermée ici. Pour aller en Europe, c'était très compliqué. Et l'embargo, on n'achetait jamais des armes. Aujourd'hui, aussi, la constitution qui stipule la gratuité de l'enseignement est mise en place en termes de réformes. Les choses avancent. Tshisekedi a mis en place la gratuité de la maternité. Aujourd'hui, il y a des maternités qui sont ciblées. Les gens naissent au monde gratuitement. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des infrastructures sanitaires qui sont en train de se mettre en place. Le nom Fatih Béton est fait ici parce que Thomas Louaka nous a construit des routes en argile. Après la pluie, la ville était tout en boue. Aujourd'hui, on voit des routes bétonnées. On a parlé des sauts de moutons aujourd'hui pour réduire le taux d'embouteillage. Nous en avons. Tshisekedi, en tant que force de proposition, a vu que les sauts de moutons n'ont pas résolu la quasi-totalité des embouteillages. Il fait des rocades qui traversent la ville de Kinshasa, ont été lancés. C'est ça comment on peut gérer. On peut gérer une nation. Après Tshisekedi, la personne qui arrive trouve des rocades, il peut faire autre chose. Il va trouver un pays en lambeaux. Maintenant, écoute. Délabré. Maintenant, moi, je vais chuter. Ça, c'est un moyen de détourner. Mais regarde, j'étais. Tchilegelou, vous avez détourné. Mais on a déjà fini Tchilegelou. Moi, j'étais très poli. Le route, Tchilegelou, on a démarré le route. C'est en train de. On a redémarré. Parce qu'on avait démarré l'autre. Très bien, on a redémarré, c'est vrai. La vie est une suite de tentatives qui se soldent par des échecs. Non, non, chez vous, c'est une suite de corruption et de vols et de détournements. On va parler de Tshilegelou. Toi, tu parles de détournement. Moi-même, je suis de l'UDPS. Je décris le détournement. Tout à fait. L'UDPS, ce n'est pas un parti politique de l'armée, monsieur. Je décris, je dis, Kazadia volé, pourquoi il est parti à l'extérieur de la République? J'interroge Moutamba, il est arrivé un jeune, pourquoi il a laissé Kazadia partir? Pas Moutamba. Ça, c'est un.
Et de deux, je vais parler de la ville de Kinshasa. Malheureusement, la ville de Kinshasa brille par... d'entrée de jeu, les signaux avant-coureurs montrent que nous sommes devant un échec patent. Merci. Attendez. Bumba, vous allez m'excuser. Bumba est en train de subir le dictat d'Augustin Kabounda. Parce que vous savez, tout le monde le sait, que le président de la République n'avait pas le choix de Bumba. Le Bumba n'était pas le candidat. C'était Deo Kassongo. J'étais son dévolu. C'était Deo Kassongo. Bumba est imposé par Augustin Kabouya qui a fait de son mieux. Voilà, nous sommes en train d'observer. Mais nous avons vu, lorsqu'on sait voir quelqu'un, on sait comprendre si cette personne peut apporter le meilleur. En le voyant seulement, on sait comprendre que Bumba ne peut pas apporter quelque chose de meilleur. L'image physiologique. Je salue. Les signaux forts. Les scientifiques travaillent sur les référentiels, sur le passé et le présent. Je vais demander à tout le monde qui connaît Bumba, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Il était dans quoi? Et quel est l'apport de Bumba dans ce qu'il faisait s'il est connu? J'ai refermé la parenthèse. Mais je vais dire tout simplement que Israël Moutala, notre confrère, je le salue parce que vous avez dit ici qu'il a été nommé. Mm-hmm. Je connais une personne scientifique, très sérieux. Force de proposition, il est très sérieux. Je pense que la cabine de Moutala est très élevée. J'ai craint qu'il y ait une cacophonie entre la gestion du gouverneur et les propositions de Moutala. Je pense que Moutala fera ce dont il a été connu, ce pourquoi il a été connu et c'est pourquoi il est respecté. Kabouya, nous appelons au président de la République. Ça, c'est pour chiquer. Le président doit demander à Kabouya d'enlever ses pattes dans la gestion de la République. Il doit enlever ses pattes dans la gestion de la République. C'est la fin de l'émission. Donc, la ville de Kinshasa a connu des monstres qui ont détruit la ville. Bumba arrive, bon, les signaux avant-coureurs montrent qu'il ne fait rien, mais je vois Moutala qui est là. Bravo mon frère, fais le travail. Peut-être Moutala va vraiment les guider. Jean-Pierre Ngalula. Kamunga. Faut vider le nom de mon père. Merci beaucoup Ndeko. Pierre Tidinanga, merci Ndeko. Ryan Kalala, on se retrouve prochainement. Isaac Kipona Congo, Tolima Congo. C'est vrai que Kombo a battu un ami, moi, mi, ce qui n'est pas très bon, mais nous parlons Congo. C'est ça le plus important. Tolinga Congo, Tobatia Congo, Pedro Bunda Ecolo. On se retrouve prochainement. Kimia, Namabo Talabino. Au revoir. Telema, Telema, Bunda, Nebuna Tina.